Ma mère, elle soupçonnait pas du tout ce qui m'arrivait au collège. Qu'est-ce que t'as sur la figure, toi ? Il y a eu de la baston ou quoi ? Elle me posait pas de questions, elle était pas très attentive. Qu'est-ce que t'as encore le squelette, c'est pas bon ? J'ai pas très bien le fond. Qu'est-ce que vous faites là, Bijou ? J'ai raté le bus, madame. Vous n'allez pas rester là à traîner comme ça. Tu veux essayer, Marvin ? Essayer quoi ? D'improviser ? T'appelles ça élever un membre, toi ? Une vraie gonzesse, vous avez fait de lui, sérieux ? Tu te rendrais la journée, t'es même pas foutu d'aller chercher Marvin ! Le moins vivant cramera pas une goutte d'essence pour ces conneries de théâtre. Pourquoi il nous fout la honte comme ça aussi, avec sa manière de péder ? Je me suis sauvé pour devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire soi-même. Puisque vous êtes comme moi, bah... faites quelque chose de votre différence. Bravo ! Belle éducation ! Isabelle Huppert. Bonjour. Marvin, tu verras, c'est un garçon très intéressant. Mais j'en doute pas. Quel est votre rapport avec le théâtre ? Je fais un seul en scène. Votre avis compte énormément pour moi. D'où ça vient, ça ? D'où tu en sors ? Je les connais, moi ? Moi, ouais, j'étais cogné, moi. C'est nos vies que tu traînes dans la merde. T'es en train de nous tuer tous. C'est pas plutôt l'inverse ? C'est pas plutôt vous qui avez essayé de me tuer, moi ? Je vous aime comme vous êtes. C'est pas ce qu'on est qui compte. C'est ce qui est au fond de nous. Avant des couilles, hein, pour faire ce que t'as fait.